Bonjour, Guillaume Richalet, président directeur général de la clinique des Cèdres. Au sein de cet établissement, nous avons voulu une démarche proactive dans la lutte contre l'infection nosocomiale. Nous l'avons développé en chirurgie ultra propre, mais aussi en maternité et en gériatrie. Nous avons décidé de dépister à l'admission pour chaque patient le portage du staphylocoque doré en chirurgie ultra-propre, le portage du streptocoque B au moment de l'accouchement pour toutes les parturientes et l'ensemble des bactéries multirésistantes à l'admission dans notre service de gériatrie pour anticiper la lutte contre ces infections nosocomiales. C'est une innovation au sein de notre établissement dans les process de soins. L'ensemble des soignants est concerné par cette innovation. De l'arrivée du patient, au bloc opératoire jusqu'à son départ, il y a une nouvelle prise en charge du risque infectieux. Bref, l'innovation pour nous est essentielle.